Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle vidéo sur Palladium avec T-Joe. Eh bien oui, des choses s'en sont passées dernièrement, mis à part la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques heures déjà. J'ai ragé un peu dedans, c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo complète. Ça l'a coupé parce qu'en plus j'ai eu un problème avec mon enregistreur. Donc, on fait avec. On passe à un appel suivant et comme on l'a dit, après avoir fait piller notre base, savoir fait démolir nos bases, nous avons été en session de minage, nous avons remonté un peu notre stock. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, on prend un serveur aléatoire Oceania. Et je vais vous montrer un petit peu dans mon Under Chest ce qu'on a réussi à faire comme miracle. Eh bien oui, mesdames et messieurs, on a réussi tout simplement à se remonter un stuff. Donc, j'ai encore des choses dans mon inventaire. On a encore quelques petites affaires. J'ai une carotte qui n'a pas rapport dans mon inventaire et des blocs de pierre qui n'ont carrément pas rapport. Et je sais pas pourquoi je suis bas en FPS actuellement. Les chunks ne chargent même pas. C'est dingue ça! What the fuck? Pourquoi je me suis ramassé en dehors? Wesh! J'ai été téléporté à l'extérieur des murs. Ah ouais, mais il vient de se passer quoi, là? J'ai été complètement téléporté, les amis. T/slash strong. Ah ouais, j'ai été complètement téléporté de l'autre côté. Imagine, monsieur le poisson. Water là-haut, il n'est pas beau, lui. OK, revenons à notre sujet. Si on peut finir par ouvrir Under Chest. Oh merde. Ça sent le plantage à plein nez. Ça sent le crash. Ah, voilà. Donc, nous voici dans notre Under Chest. Eh bien oui, mesdames et messieurs. Je pensais m'avoir fait piller mes cobble breakers, mais par chance, je les avais tout simplement laissés dans mon Under Chest. Donc, voici ce que l'on a. Avec une belle petite session de minage, on a réussi à se remplir en palladium un petit peu. On a réussi aussi à se remonter dans nos blocs de titane. Donc, on se met bien en titane et en améthyste. Donc, aujourd'hui, toujours comme défi, essayer de se refaire tout simplement une base. Hein, comme vous le savez, nos bases ont tous été pillées. Donc, il faut se refaire, oui, une nouvelle base. De deux, et bien sûr, aller se rechercher de l'équipement. Et je vais voir pourquoi que ce bug en FPS, parce que là, c'est vraiment relou. Et ensuite de ça, on va voir où est-ce qu'on en est avec les métiers de mineurs. Nos métiers actuels, bien c'est simple. Rien avancé, bien sûr, avec les bugs. Nous sommes toujours en level 4 farmer. Nous sommes en level 7 mineur, suivi de Hunter level 1 et Alchimiste level 5. Eh bien oui, avec tous ces bugs, nous n'avons pas pu avancer, mais on va essayer de remédier à la situation. Donc, on se retrouve immédiatement, soit pour une session de minage, soit pour une belle petite session pour augmenter le level farmer. Si on augmente le level farmer, c'est pas compliqué. On va aller dans notre farm tout éclaté, bien oui, parce que nos alliés ont bien sûr gardé la ferme quand même. Ils ont tout simplement claim. On ne refait pas la décoration. On va farmer dedans les patates. Et ensuite de ça, bien, on va refaire un autre farm. On va se refaire d'autres stuff et d'autres équipements. On n'a pas le choix. Il faut tout recommencer. Hein, je n'ai plus mon plastron P4 qui était dans ma base. Et mon casque palladium qui était aussi dans ma base. Donc, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Et de gens partant, on voit que c'est pas merveilleux. Donc, on se retrouve dans quelques instants. J'ai un drôle de mec relou, là. Je crois qu'il cherche un PVP. Mais, sérieusement. Pensez-vous que je suis équipé pour faire un PVP actuellement?
Ah ouais, tu vois le petit screen. Ah, petit dabs. Ah, t'as peu. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce mec. Ah, c'est chelou. Ok. Donc, pendant que j'y pense, oui, j'ai un mal de gorge, j'ai envalé un canari de travers et ça avère. Bon, pendant que j'y pense, on fait un petit retour sur la session de minage. Bon, on a miné 35 fer, on a miné 17 palladium, on a miné 25 minerais de titane, on a miné 10 obsidiennes et 36 minerais d'améthyste. Bon, vous me direz, qu'est-ce que tu fais avec du stuff inutile dans tes choses? Ben oui, c'est normal, c'est moi qui les ai laissés dedans, c'est pas plus grave que ça. Sachant que nous avions une très belle ferme. Vous vous rappelez de la belle ferme qu'on avait décorée, toute fière? On avait fini de la décorer. Vous vous en rappelez, hein? Oui, vous vous en rappelez. Ah, quelque chose à vous montrer. Déjà, un message de main, ça l'augure pas bien. Hein? Préparez-vous à un choc. C'est dingue, ça. Préparez-vous à un méga gros choc. Vous savez, la vidéo du rageux que j'ai fait? Il y avait un mec que j'étais abonné à sa chaîne. Et ce même mec est le mec qui a pillé la ferme. Du coup, je me suis désabonné de sa chaîne. Et regardez dans quel état il nous a mis littéralement la ferme. Il a tout explosé à la dynamite. Littéralement. Il a tout pris ce qu'il y avait à prendre. Les lanternes. Les graines toutes, ils ont tout pris dans la ferme. Genre, voilà. Ils ont massacré la ferme. Ils ont totalement tout démoli. Que dire de plus? Que dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus. Parce que c'est dans le seul biome qu'il y a vers la fin, donc c'est là où je suis dans le biome glace, donc je vais la trouver très rapidement. Ok, deux secondes, je vous en reviens. Comment dire? Ouais. Et une de plus. Rip la ferme. Encore une de plus qui a été littéralement pillée et démolie. Voilà à quoi ça ressemble. C'est dingue, ça. Et oui, on continue. On est en session de minage actuellement. Toujours à la recherche, là les minages viennent d'être reset, donc il faut se ramener extrêmement loin, et là ben on va aller miner un petit peu, on va aller voir ce qu'on peut trouver dans le minage actuellement, donc oui on s'est refait des bases,
Des bases peut-être cette fois indétectables. On va essayer quelque chose, une petite technique. On verra bien ce que ça va donner. En espérant que cette fois, hein, ça fonctionne et que l'on ne perde pas tous. Là, j'ai quand même bien évolué, j'ai quand même bien repris quelques ressources. Donc, on se concentre présentement sur la reprise de ressources. Ensuite de ça, il va bien falloir penser à se faire un nouveau armor pour pouvoir dupliquer. Pour le moment, ensuite de ça, pour le moment, on va aller aussi continuer à farmer tout simplement la poudre d'os que nous allons avoir besoin pour la base claim aussi. Donc, wow, pas un crash, non, ok. Un petit coup de lag sur le serveur actuellement. Donc, c'est ça. Ah ouais, j'ai des coups de lag. Ouais. J'ai des petits coups de lag actuellement sur le serveur. Génération des chunks qui n'ont pas encore été générés. Ça vient juste d'être reset pour le serveur minage. Faut dire qu'avec la carte que j'ai aussi, ça n'aide pas. Oh, du mouton. Du mouton. Ah. Donc, on va faire une petite session et je vais vous ramener tout à l'heure. On a fait aussi la quête du jour. Aujourd'hui, la quête du jour, elle était simple. Et elle ne crache plus. Dans notre démarche écologique, nous souhaitons introduire le tri sélectif. J'aurais donc besoin de 15 purses pour le système pour trier le palladium vert du palladium normal. Mais attendez, qui jette du palladium? Ah, j'ai déjà effectué la quête et nous avons remporté 4 000 $. Et oui, on a eu un bug. Nos quêtes journalières se sont reset. Génial. Hein, génial. Oui, hier, j'ai fait la dernière quête. Oui, hier. Je dis hier parce que là, entre les bugs qu'il y a eu et tout, ben, hier, j'ai joué aussi. Sauf que, ben, c'est ça. En gros, il y a eu quelques petits problèmes techniques, quelques petits soucis. Et ben, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, il y a d'autres choses que nous avons fait. Et ben, ça donne le résultat qu'on sait. Comme vous voyez, le minage vient d'être reset. Et actuellement, pour farmer, c'est merveilleux. Sauf que là, j'aurais besoin quand même de vaches. Hein. C'est des vaches qu'on va avoir besoin. Là, on tue du mouton parce que le mouton, on va pouvoir revendre la laine. Et que généralement, la viande peut servir aussi pour augmenter le hunter. Donc, si on continue, mis à part dans nos quêtes, actuellement dans les niveaux, ben, nous sommes toujours alchimiste level 5. Au niveau. Ah non, on a un coup de lag. Dans le nouveau Hunter, c'est lui qu'on essaye de monter un petit peu. Ensuite de ça, dans le level. Dans le mineur, nous sommes level 7. Et dans le farmer, nous sommes level 4. Donc, c'est tous des métiers qu'on continue à augmenter. Et ben, on va mettre ça sur pause. On va faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. La vidéo va être un peu différente des autres vidéos parce que, comme je vous dis, dans les derniers jours, il y a eu beaucoup de lag. Là, ça semble être quand même calmé et corrigé. Mais bon, on n'aura pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire dans cette vidéo-là. Ce n'est pas plus grave, sachant qu'on a été pillé de toutes les bords, de tous les côtés. Les formes ont été démolies. C'est le calvaire. Donc, je vous reviens tout de suite. On essaie d'augmenter nos levels et je vous reviens. Tu te caches, petite. Là, 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 là. Ouais, je crois qu'ils ont réglé le problème de spawn sur le serveur minage. Ce qui fait mon affaire parce que c'était très difficile de hopper le métier. Et là, ça devient très facile. La, 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 la. Mmh.
Où es-tu, Quoi, t'es dans l'arbre? Je crois qu'elle est dans l'arbre. Je crois qu'elle est dans l'arbre. Alléluia. Quelqu'un qui trouve un coffre comme ça en pleine nature, ça fait toujours plaisir. J'adore laisser des coffres. Eh oui, mesdames et messieurs. Ouais. Ta 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 ta. Oh. 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 Oh, 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 oh. OK, pour ceux qui ne le savent pas encore, avec le bois normal, si vous faites slash furnace, je ne sais pas quand est-ce que ça va être patch, ça va sûrement l'être. Si vous faites slash furnace, vous obtiendrez du charbon ordinaire. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, c'est un petit bug qui a. Un petit gars bug que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui va vous épargner bien des soucis avec la recherche de charbon. C'est sûr que ça ne vous donne pas d'XP. Par contre, ça coûte moins cher que chercher du bois à toutes les fois. Donc, sachant que le bois peut cuire un item et que le charbon peut en cuire jusqu'à 2 à 3, eh bien, en faisant cette petite technique slash furnace, vous obtiendrez tout simplement, eh bien oui, mesdames et messieurs, du charbon. Eh oui, mesdames et messieurs, nous approchons du level 2 de Hunter. Il nous manque plus que 1 XP. Et... boum. Pom.
Ouais, ça donne presque plus de XP. Nous allons pouvoir maintenant XP avec, bien sûr, les moutons, enfin. Est-ce qu'ils vont nous en donner quand même un peu plus, sachant que les moutons nous donnent... Attendez un instant... Les moutons nous donnent... craft... non... les moutons nous donnent actuellement... 8 d'XP. Maintenant, les vaches, 5 d'XP, 7 d'XP pour les araignées. Araignées que nous n'avons toujours pas trouvées. Et 8 d'XP avec les moutons, bientôt les zombies aussi. Donc, ça va XP beaucoup plus vite. Donc, pour cette vidéo-là, c'est de même que ça va s'achever. Je sais, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Mais vu les problèmes qu'il y a eu, ben, j'ai pas le choix. Il faut que ça se termine à quelque part. Et je vous reviendrai bien sûr avec une nouvelle vidéo très bientôt. Merci tout le monde, c'était Timous. Et je vous dis à une prochaine fois. Oh yeah!